Alors l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les émotions, ce sont nos réactions d'adaptation face aux différentes situations que nous rencontrons. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est l'ensemble, la compréhension de ce qui se passe pour soi et la maîtrise d'un certain nombre de compétences d'expression d'émotions et aussi de régulation de nos émotions. Donc l'intelligence émotionnelle nous permet de réguler ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'améliorer nos rapports avec les autres. Donc évidemment, l'intelligence émotionnelle, elle est importante à cultiver dans la famille parce que c'est grâce à l'intelligence émotionnelle que les enfants ne vont pas partir dans des grandes crises, qu'on va pouvoir se comprendre les uns les autres, que les enfants, les frères et sœurs vont pouvoir se disputer sans se battre, être donc dans des rapports beaucoup plus constructifs. Donc oui, l'intelligence émotionnelle, on en a tous besoin. Et c'est vraiment utile de permettre aux enfants de grandir dans leur intelligence émotionnelle.